Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle série, en tout cas ce nouvel épisode, cette nouvelle vidéo sur Fortnite. Donc je vous laisse la bande annonce, je vais la voir avec vous pour la première fois, ou presque. J'ai vu des petits bouts par moment, des bribes, mais je voulais pas me spoiler 80% de la population. D'accord, ok, carrément. Donc c'est plus ou moins une histoire de zombies fait par Epic Games, donc Epic Games qui est quand même assez épique en termes de conception de jeux vidéo, on va dire. D'accord, ça tourne en boucle. Votre combat commence. Ok, d'accord, intéressant. Rigolo qu'il y ait une traduction vocale, mais pas une traduction visuelle à l'écran. Mais pourquoi pas. On a des zombies. Beaucoup de zombies. Il me semblait que c'était un TPS. Là, je vois le jeu en première personne, ça me stresse. TPS, third person shooter, je précise. Ok, bon. Bah, on va tomber dans les vapes, parce que voilà, faut tomber dans les vapes. Fortnite, donc nous y sommes. Donc, qu'est-ce que j'en ressens quand j'ai vu les trois images, les trois explications de jeu? Je vois en fait une espèce de... comment... Ça va votre tête? Oui. Ouais. Les escaliers, ça s'utilise avec les pieds. Juste un petit conseil en passant. Erreur système de sécurité. C'est rien. Alors, présentation. Je suis Ray. Salut Ray. Bipède, commandant. Enfin, pour ça, il faudrait qu'on ait un commandant. Et comme le prouve cet exercice, nous n'aurions strictement aucune chance contre la tempête. D'accord. Pas un exercice. C'est pas un exercice. Désolé. Ça explique la présence des monstres. Je sais plus comment c'est. Orcs Must Die. Ça me rappelait un petit peu Orcs Must Die, mais en version beaucoup plus élaborée. Donc, on passe au plan B. Plan B. Vous avez une idée? Ah oui, non? Vous venez de trouver notre plan B. Ici Ramirez, j'ai besoin de soutien. Je vous reçois 5 sur 5. On a des survivants en danger. La tempête approche. D'accord. Ne me mets pas en attente. J'irai droit au but. Avez-vous déjà songé à combattre les forces du mal? Bah écoute, ouais. Chaque fois que je lance un jeu vidéo. Ne le pouvez pas, vous allez faire des... Connard, je sais pas qui t'es toi, mais je m'en souviendrai. Allez, tout ce trou du cul. Le mec s'appelle Luck. Ok. Ok, commander. Ramirez is counting on you to get those survivors to safety. Hello, Ray. If you can hear me, now would be a great time to hurry up. Copy that. Weapons and building systems coming online. Now. Yeah. Back in action. We got a pack of hubs set ahead. What's our firepower situation? See for yourself. Oh, c'est pas mal. D'accord. Et on joue un héros, mais pas le comment. Oh la vache. Ah, c'est glauque. Ça par contre c'était glauque le coup. Ah voilà. Ah putain. Ok, cool. J'aurais bien aimé que le jeu se mette en pause. Ok, tout s'est mis en auto, c'est cool. Synchronisation verticale, oui. Chargé IPS, oui, ça vaudra mieux. Jouabilité. Alors attendez, commande, voilà. Non. Hop, ok. Mode curseur, ouais si tu veux. Ouah, attends, j'ai pas fini mes commandes. Ok, espace sauter, tirer gauche, droite, ok, recharger. R, utiliser E, T, G, F, sprinter, mâche gauche. Hop. Compétence 1. X, C, on va dire. Gadget 1. Ok. Ok. Ok, ça me semble bon. D'accord. Vue subjective, je vais le mettre sur N. Afficher les stats, je vais le mettre sur point d'interrogation. Ok. Ça veut dire que quand je fais N, je... Non, j'ai pas accès, j'ai accès à rien. Ok, bon, c'est pas grave. Putain, y'a un recul imposant là-dessus.
Ok, pourquoi pas. Allez, meurs. Meurs, meurs aussi. Voilà. Donc c'est des... D'accord, donc vous voyez, c'est on a une espèce de... Trouver la sortie de la grotte. Ok, bon, attends d'abord. Ok. Donc voilà, il y a une espèce de principe, c'est qu'on peut récolter une quantité assez incroyable de ressources. Voilà, hop. Pourquoi j'ai l'impression que ça me pétait à la gueule? Non, c'est bon. Ça va. Et donc, vous pouvez voir en haut à gauche les ressources. Donc, j'espère que le son, ça va. Si c'est pas assez fort, j'aurais augmenté. Vous me le direz dans les commentaires. Hop. Donc, voilà, je récupère des ingrédients différents. Qui me permettront de crafter, en fait, petit à petit. Je suis un joueur de jeux vidéo, je regarde toujours sous la... de crafter petit à petit, un petit peu, tout ce qui pourrait nous être utile pour nous protéger par la suite de ces zombies. Ok. Après, je ne sais pas encore en quelle mesure je dois pomper tout ça. Quand quelque chose vous bloque le passage, essayez de le détruire. Oui, madame. Vous avez votre pioche pour détruire le chariot. D'accord. Merci, Ray. Ray, d'ailleurs, est-ce que c'est toi le dernier Jedi? Quelle est votre situation? Enfin, est-ce que tu fais partie des derniers Jedi? Ok. Allons vous aider, trouver la suite de la grotte. Ok, d'accord, pourquoi pas. Allons-y. Ok. Calmez-vous. C'est bon. Donc vous voyez comment ça va se passer? Comment j'en sors? Comment j'en sors? Comment j'en sors? Comment j'en sors? Ok, j'aurais appuyé sur la touche de raccourci classique. Ok, on est dedans. Il va vous falloir une meilleure arme. Une bien meilleure. Ça peut justement se faire. Écoute, un katana, pourquoi pas? Alors, j'ai des armes à foison. Ah oui, ce sont des armes qui viennent en fait tout simplement. Épée règle, pourquoi pas? Hop, ici, crac. Et on est bon. À la place de ce pistolet là, je vais prendre ça. Là, il y a un sniper, j'imagine. Mirifique, fusil de sniper, ok. D'accord, donc on a un shotgun et une épée. Est-ce que je ferais pas mieux de placer le shotgun ici et ceci ici? Ok. Pourquoi pas. Équipez votre page, je vais utiliser les armes et les véhicules pour écouter les matos dont vous avez besoin pour fabriquer une autre arme à feu. Écoute, pas de soucis, on va le faire. Hop, du bois et des tas de bonnes choses. Ah, attendez, on peut fouiller, merde. D'accord. Ok. Des écrous et boulons sur les véhicules. Ok, pourquoi pas. C'est intéressant hein, sur le principe. Je confirme. Ici, je peux fouiller. J'y ai donc trouvé des fleurs. Ici, des cartouches. Ça m'empêche pas pour autant. Question. Ouais, je crois que ça allait péter que le truc, mais en fait non. Ok, c'est intéressant. J'apprécie la chose. Jusque là, j'apprécie. Disons que j'apprécie. Bien, nous avons ce qu'il faut pour fabriquer une arme. Ouvrez l'inventaire, cliquez sur l'icône d'arme à feu, choisissez-la et fabriquez-la. Choisissez-la. Ah oui, d'accord, oui, bien sûr, tout bêtement. Et fabriquer avec C. Vendu. J'ai donc perdu les ressources. Il y avait un temps... Fabrication. J'ai marqué l'emplacement du fort sur votre carte. Allez défendre les survivants. Alors, est-ce qu'elle a une durabilité? Je ne sais pas.
je prends ceci. Ok, donc c'est marqué. On est dans un tutoriel. On y va. On va aider nos copains. Question, est-ce que je peux? Oui. Oui, je peux. Attends, il y a une caisse ici, là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Okay, plafond électrocuteur. Okay, ça... Ah, c'est des pièges. Oui, oui, j'arrive. Laisse-moi le temps. Oula. Donc c'est la foudre qui fait pop des zombies, c'est rigolo. Pourquoi pas? Ça me rappelle vraiment beaucoup Orcs Must Die, finalement, hein, du coup. Ils sont nombreux, quand même, là. Hein. Je peux dire. Ah, ça va, la foudre nous aide aussi que autant que... Merde. Ok, par contre, oui, du coup, il y a... Ah oui, d'accord, et après, il s'intéresse à moi. Ok. Est-ce que je peux passer ou... Peut-être pas la meilleure des idées que j'ai eues. Hop. Mais non, ça va, Lenny, t'inquiète pas. Tout va bien. Trouver une dalle de sol en surbrillance, d'accord, ok. Choisir un piège de sol. C'est autre chose? Non. Ok. Il devrait nous faire gagner un peu de temps. Allons un peu voir comment vont les survivants. D'accord, allons-y. Pas de soucis. Entrer dans le bunker. C'est sympa tout ça, dis donc, ouais. Je peux pas dire, hein, mais... Ouh. Sympa aussi, ça. Bonjour. Oui, oui, pardon. Oh, la bouffe. Je prends la bouffe. Il y a du PQ. Il y a du PQ à foison, c'est bon, on est sauf. Ouh. Ouh. Oui. Ouh, j'ai vu un truc qui m'a plu. Lance-roquette en cuivre. Ok, pourquoi pas. Oh, c'est pas mal fichu. C'est pas mal fichu, putain. Ok. Bravo, bravo, bravo. J'apprécie. Et ça prend du temps à se reconstruire. Ah, c'est bien fichu, hein. J'attends, je regarde juste comment ça se... Putain, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé, c'est stylé. Hop. Bon, la porte s'ouvre dans les deux sens, mais c'est stylé. Tu connais des fusées qui ne sont pas chouettes? Ok. On va lancer une fusée avec des gens dedans. Pourquoi pas? Après tout. Qui ne tente rien n'a rien, hein. Ouh. De la bleulite. Bonjour. Ouh. De la bleulite. Bonjour. Je sais pas ce que c'est, hein, mais... Ouh. Ça aussi, j'ouvre. Des cartouches. Des pieux de sol en bois. Encore des cartouches. Je reçois encore des mails aussi au passage. Ah d'accord, faut que je remplisse de bleulite. Clairement, clairement, clairement c'est ce que le jeu me dit. Hein. Ok, des munitions, des balles lourdes. Hop, encore plus de munitions. Tu te casses saloperie. Merci. Hop, bleulite. «
des cartouches. Pourquoi pas. De la bleulite. Ok, qui doit être une espèce de carburant, je présume, ou un matériau rare et utile. Enfin, comme le scénarium, vous voyez, un matériau utile dans la progression d'une mission, d'un objectif. En règle générale, vous voyez ce que je veux dire. Je présume, hein. Allons-y. Essayez de lancer la fusée. Avant de quoi? Ah, j'ai oublié de la bleuite. Ok. Pourquoi pas. D'accord, oui, j'étais en train de chercher la barre d'énergie, elle est en jaune en haut à gauche. Oula, il y a un gros tas. Bonjour. Il est mort. Ok. Ok, on va pas gaspiller nos munitions, ça vaut pas le coup. Question, quand je suis dedans, je me bouffe les dégâts ou pas? Ok. F5. Wouh! Qu'est-ce qui leur arrive? Ok. C'est bon. On prépare une frappe aérienne. Quoi? Enfin une bonne nouvelle. Demandez la frappe aérienne quand vous serez prêt, commandant. Bah écoute, fais péter. Je sais pas si je me prends des dégâts là-dedans en fait, c'est ça le truc. C'est quoi ça? Hop. Aïe. Bonjour. T'as déjà goûté à mon épée? Aïe. Je sais pas ce qui m'est arrivé, je crois que je me suis pris un pic dans le cul. Tristesse. Décollage. Ok. Bon, pourquoi pas, hein. Bien sûr, accroche-toi, hein. Ah bah c'est con, c'était pas le bon bout. Ça fait bizarre la voix qui change de... C'est un robot, il change de langue en fait, il est mal programmé. Un robot mal programmé qui est bilingue. C'est comme Siri, imaginez Siri, vous lui demandez un truc, mais d'un coup, elle vous répond en anglais. Maintenant que la fusée est lancée, nous disposons de notre propre satellite. Voyons voir un peu ça, ça ne doit pas être si terrible. On a envoyé un long machin rond, maintenant on a un petit machin carré. Oh, oh, waouh, c'est horrible. Bon, j'ai rien dit. Waouh. Elle est con. Bonjour. Prince. Ouais, on commence déjà par la planète Terre, c'est pas mal. Enfin, si on est sur la Terre, hein, bien sûr, hein, mais... Un nom à votre base? Bah, la Playroom, forcément. Pah. Alors là, la question ne se pose même pas. La bannière. L'icône, la bannière, ok. Le café, bah oui. Oh, ça fait longtemps le café, tiens, qu'on en a pas parlé du café. Et le rouge, forcément le rouge. Couleur par défaut. Oui, il y a que des couleurs par défaut. Ok. Appliqué. Fermé. Hello, la Playroom. On a enfin la Playroom. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a un coffre de récompense de mission, putain, de niveau 4. Ouvrons.
Schéma pieu de sol en bois. D'accord. On a une épée. Épée règle. D'accord, oui, c'est une règle. Épée, épée moyenne, inflige des dégâts importants et réguliers grâce à une attaque, unité d'attaque rapide et repousse légèrement. Fente. Une attaque vers, puissante vers l'avant qui inflige de forts dégâts à une cible unique. D'accord. Fontaine bois, page de 1 sur 4. D'accord. Ok. Ok. Carte. D'accord. Ok, je commence à comprendre un peu le principe. Menu principal. Récompense quotidienne. D'accord, ok. Ok, ok. Alors, paramètres du coup. On est en qualité, on est en full. Tu m'as pas pris ça ni ça. S'il te plaît. Jouabilité, c'était pas trop mal. Rechargement interrompu en sprintant. Bah non, ça semble logique. On gagnera du temps là-dessus. Ok. Tout le reste, c'est pas trop mal. Ok. Bon bah... les amis, on est à 20 minutes. On a réalisé le... Le premier didacticien, enfin le didacticiel en tout cas. On va se laisser là pour ce premier épisode en tout cas. Et on se retrouve dans le prochain pour la suite de cette aventure sur un jeu qui, ma foi, n'est pas si mal. Puissance de la base 1, d'accord. Ok. Et je sais pas trop comment ça passe. Il y a une liste d'amis. Bah, si vous devez terminer le didacticiel. Ok, bon, on n'a pas fini. On n'a pas complètement finalisé le didacticiel. Eh bien, écoutez, on va le finir ensuite. Moi, je vous laisse là pour cet épisode. Merci d'avoir laissé Marcus Bolus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans Fortnite. Et donc, c'est un jeu que vous m'aviez conseillé. Bah, pour l'instant, c'est pas si mal finalement. C'est pas si mal. Allons voir